Aujourd'hui, on va voir comment fabriquer un orlof. Là, moi, ça va pas être la manière comme vous mangez d'habitude. Moi, le rôti orlof, quand j'en fais, je le fais avec de la tomme de Savoie. Alors, je vais vous expliquer les ingrédients et après, je ferai vraiment une canne bien plus près, comme ça, vous verrez bien le ficelage et la préparation. Bon, ils viennent du Nord, voilà. Lui, c'est un pur produit du Nord. Il y a des chances que son frère soit son père. Voilà. Il n'a pas l'air méchant. Il a pas l'air méchant. Il n'a pas l'air malin non plus. Humiris 20 cm, ça suffit. Hein, il n'a pas l'air méchant, mais il n'a pas l'air gentil non plus. Hein, enfin, il n'a pas l'air, je veux dire, il est. Voilà. Alors, quelque chose d'important, mesdames et messieurs. Si vous vous lancez un jour comme ce jeune homme prometteur dans les méandres de YouTube, ou de Twitch d'ailleurs, il est fortement conseillé d'avoir une élocution claire, où le fond s'impose à la forme pour pouvoir exprimer convenablement ses idées en étant compris de tous. Lorsque vous avez un problème d'élocution dû à une mâchoire prognate comme ce monsieur, c'est-à-dire mâchoire qui se positionne. Attends, je suis un peu petit, je me trouve un peu petit. Voilà. Comme ça. Il est fortement conseillé. Bah, soit de ne pas faire de vidéo, soit de prendre des cours de diction. Voilà. Pour gommer, tant que faire se peut, ton problème anatomique qui nuit à une élocution claire. Alors, comme je vous disais d'habitude, en allemand, vous vous retrouvez dans un rôti Orloff du Gruyère. C'est parce que ça coûte moins cher comme produit. Bah non. Et non. Et non. Et non, c'est parce que c'est la recette! Ça commence! C'est la recette, la conne de ta mère! Qui est ta sœur? Ah, je tousse. Ça commence, il m'a gonflé. Hein. C'est parce que c'est la recette! Bon, point positif, il a une très belle chemise, il a bien remonté les manches. C'est bien. Et voilà. Alors là, j'ai. Le son est une catastrophe. Vous entendez la neige? Ah, chez lui, il y a 50 cm de neige J'ai dehors. pris un bon rôti parce que je suis tombé sur une des promos mon magasin. Là, il fait. Bon, alors, il n'est pas boucher. Je viens de tomber sur des promos de mon magasin. Voilà, boucher, si t'es boucher, tu pars avec la viande, tu le précises pas. Alors comment ça, on est là pour ju on juge tous d'une vidéoscopie multidoting. C'est moi, je dis ce qu'on juge ou pas. C'est mon émission. C'est mon live. C'est ma chaise. C'est mon micro. Qu'est-ce que tu veux, multidoting? 10 minutes en prison. Allez hop, mais tu me dis pas que ce que je juge pas. C'est moi le juge. C'est une tyrannie ici. Aujourd'hui, on juge tout. Je juge tout. Je juge tout. C'est clair? M'emmerde pas, hein? Je juge, moi. Alors, on revient avec. Comment il s'appelle déjà? Faut qu'on lui donne un nom. Jason? Ça lui va bien, Jason, non? Ou Dylan? Ça, c'est le genre de prénom qu'ils aiment dans le Nord. Est-ce qu'on a des gens du Nord? Est-ce qu'on a des gens du Nord? Moi, je dis qu'il a une tête de Dylan. Kevin? Jean-Kevin? On va l'appeler Jean-Kevin, vendu. Alors, Jean-Kevin et sa promotion. Ouais, alors je veux bien, tu vois qu'en ce moment c'est une période dure. Après moi, bon, je suis très très riche, hein, je suis streamer, c'est normal. J'ai plein d'argent, abonne-toi, respecte-toi, prime-toi, sans déconner, je vois Slip Juju, il est pas abonné. Oh! Tu bandes, non, sur les bromances avec Slipou! Hein? Quand il aura expulsé le mal chibre qu'il a dans le zbibou, il y aura la bromance! Oh! Tu l'aimes la bromance, abonne-toi! C'est incroyable ça! Ça va, Sido Basique? Dylan, ça lui va bien, hein? Bon, Acido Basique est un homme bien, je propose Dylan aussi. Alors,
Il fait chaud, je vais ouvrir la porte. Dylan, dit Jean-Kévin. Très belle coupe. Voilà, je juge la coupe. Très belle coupe. Belle coupe. Rien à dire. A trouvé un très beau gigot en promo. Bon, oui, je disais, c'est du rôti de porc. Hein. Je veux bien que ça soit difficile. Moi, en tant que streamer, voilà, je suis très très riche. J'ai des opins incroyables sur des jeux vidéo grâce à vous, comme Rise of Kendo. Mais ça reste... un rôti de porc, voilà. Si ça dépasse les 8 euros de kilo, c'est qu'il y a un problème. Hein. 12, si c'est un super porc du Périgord de la mort, voilà. Donc, il faut se calmer sur la promotion en étant content d'en trouver un rôti de porc. Il faut faire quoi? Allez, à vue de nez, il fait 2 kilos, grand max. Allez, 2 kilos 2, voilà. 2 kilos 2, même au prix fort, il y en a pour... allez, il y en a pour 20 boules. Allez, 14 balles. Entre 15, il est en promo, allez, entre 15 et 20 balles. Donc, bon, ça va, quoi. Et là, il y a de quoi manger pour 4. 4 hein. Bob le Gob, bien entendu. Non, 2. 1,5 kg, 1,6 kg à peu près. Ah. Ça dépend le nombre de... T'es sûr? Pas plus que ça? Dylan, l'as-tu pesé? Non, elle fait plus d'1,5 kg. Il est autour de 1,8 kg, 2 kg. Mais Dylan, tu l'as pesé? Vous êtes ou des mangeurs. Mais là, on peut aller jusqu'à... 8 à 9 personnes, c'est, non. Ça dépend des mangeurs. Non, s'il fait 1,5 kg, il y en a pour 2 Bob le Gob. Et, ou alors Bob le Gob et ses deux enfants. Et un peu pour sa femme. Voilà. Non, mais ça, ça fait la famille, c'est tout. Donc ça réduit le rôti de porc. Hein. Non, non, il n'a pas pour 9 personnes. Il a dit combien? Il a dit combien? C'est, ça dépend des mangeurs. Voilà. Combien? On peut aller jusqu'à 8 à 9 personnes. Non, mais vous mangez rien dans le Nord, c'est pas possible. Vous faites que vous reproduire entre consanguins. Ça demande beaucoup moins d'énergie, du coup, vous chassez moins le fion, je le comprends, mais quand même. Non, mais 9 véganes, voilà. Il n'y a pas à manger pour 9, là, c'est pas possible. Enfin, rien que moi, j'en bouffe la moitié. Enfin, je veux bien que je sois un beau bébé, mais là, quand même, quoi, 9 personnes. C'est pas possible. Un pour moi, les légumes pour les autres. Oh, Squall du 59, c'est la première fois que tu parles sur le chat, mais tiens, tu as. Un pour moi, les légumes pour les autres. Allez, hop. C'est Bob le Gob qui régale, qu'on lui offre un abonnement. Ah, offrez-lui un abonnement, il est drôle, le Squall. Allez, hop. C'est Bob le Gob qui régale quand ça marchera. Ça a marché? On a entendu un ara? Oh, ça marche plus, oh, c'est nul. Ça sert à rien que je me fasse chier à faire des cadeaux si c'est pas tonitruant, je m'en fous. Je le fais le bruit à la main. Oh non, ça marche plus, mais c'est nul. Pourquoi ça marche plus? Et 2 secondes, pourquoi t'as... Là! Voilà! Ça fonctionne. C'est, ça dépend des mangeurs. Voilà. Ah, super remarque. Après, il vous faut, c'est une quinzaine de tranches de bacon. Non. Moi, j'ai pris, je crois, 200 ou 300 grammes de tomes de Savoie. Et il vous faut... Mais c'est quoi ce bruit? Il y a des cigales dans le Nord? Vous entendez? Moi, j'ai pris, je crois, 2 ou... Je dirais que c'est une cocotte minute. C'est le tch-tch-tch d'une cocotte minute. C'est les ventes d'une cocotte minute. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait, je suis sûr qu'il fait des patates. 300 grammes de tomes de Savoie. Mais c'est logique, on est dans le Nord, je suis bête. Dans le Nord, on fait des patates. Dans le Nord, on fait des patates. Et il vous faut un peu de 6 tranches de poitrine fumée. Vous pouvez trouver dans votre charcuterie. Et voilà, on se retrouve... Le regard en stress vers la cocotte minute. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et donc là, il a coupé pour aller s'occuper de sa cocotte minute. Eh, hey, tout le monde dit bonjour à Iris, le poteau du duo d'enfer. Et
Et voilà, on se retrouve en cas de plus près. Allez, c'est parti pour le rôti Orlov. Ce « allez, c'est parti » est insupportable. Ah, ils le disent tous, hein, tous les mauvais, tous ceux qui font des vidéos de merde. Et allez, on tape dedans du coup, c'est parti, allez, c'est parti, comme l'autre tout à l'heure. Quel enfer. Quel enfer, qu'est-ce qu'il fait? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va le trancher dans le milieu. Après, vous pouvez demander ça fait par votre boucher. Après, c'est pas très dur, hein. Prenez un couteau. Et vous coupez en deux. Dans le milieu, comme un livre. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. Dans la vraie recette, il faut l'escaloper. C'est-à-dire que vous allez compter à peu près 1,5 cm. Et vous allez l'escaloper. Et hop, quand vous arrivez là, vous l'aurez escalopé comme ça. Ce qui vous fait une ouverture en 3. Ensuite, il faut le taper un peu avec un marteau à viande pour que ça soit bien plat. Et ensuite, tu fais ton montage, puis tu roules. Donc, ce n'est pas coupé en deux, un rôti Orlov. Mais continuons. Et c'est logique parce que l'idée, c'est qu'il y ait un maximum de surface d'échange entre votre rôti de porc et les ingrédients que vous allez insérer à l'intérieur pour que ce soit le plus goûteux possible. Babouche, Babouchadé, merci beaucoup pour tes 20 mois d'abonnement. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, n'oubliez pas la rougo clé des 500 euros de bon d'achat Amazon à gagner. Il y a déjà 175 participants. Vous soyez abonné ou non, vous avez autant de chances de gagner. Inscrivez-vous, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de lier au site GoClécD, soit votre compte Facebook, soit votre compte Twitch, soit votre compte Google, soit votre compte Steam. Et ensuite, vous cliquez sur participer. C'est parti, il suffit d'attendre que le tirage au sort ait lieu ce soir. Une chance de gagner. Tu devrais l'enregistrer, Bob. Je devrais enregistrer qui? Je clique, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Merci, Lyonnaise. Je peux t'assurer que je ne gagne... Ah, le lien n'est pas bon. Qui a osé? The lien is no good. Ok, d'accord, je vais donner le bon lien. Le lien n'est pas bon, mesdames et messieurs, je vous donne le bon lien, je vous donne le bon lien. Bim. The good lien, bim, bim. Alors, celui-là, il est bon, par contre. C'est bon, je viens de donner le bon lien, arrêtez de m'emmerder. Excusez-moi, YouTube, j'ai une discussion avec le chat. Une discussion, moitié dispute, moitié discussion, une discussion. On y va gentiment à la fin, parce qu'il ne faut pas que ce soit coupé en deux. Voilà, dès que ça vous donne un genre de livre comme ça, voilà, on le pose. Moi, j'aime bien que ce soit gourmand, alors je mets deux tranches. Deux tranches à chaque fois comme ça. Bon, alors, le bacon, c'est du cochon fumé. C'est du filet mignon de cochon fumé. Alors, s'il te plaît, sois sympa, mets des tranches de lonzo, ça donnera plus de goût que ton bacon dégueulasse que tu as trouvé au rayon charcuterie de mes couilles dans le supermarché qui est fait à Baconland aux États-Unis ou en Angleterre par notre ami Artal bien détesté. Voilà, on prend du fromage, le fromage que vous voulez, si vous voulez faire comme moi, que ce soit... Bon, alors ce que j'apprécie par rapport aux autres vidéos qu'on a vues, et aux autres estras de la cuisine, c'est que notre ami Dylan, dit Jean-Kévin du Nord, dont il a été avéré par son arbre généalogique qu'il était officiellement le fils de la sœur, de la belle-mère, de la grand-mère, du père, du boulanger... au deuxième degré de par sa sœur qui est également sa belle-maman, qu'il a bien préparé son plan de travail, qu'il a bien préparé ses produits. Bon, même s'il est incapable de couper des tranches de la même taille de fromage, c'est pas bien grave, ça va fondre. Bravo Kevin. Jean-Kévin sait utiliser un couteau et il a un plan de travail propre. Jean-Kévin est sensible à l'hygiène, bien que je me pose sévèrement les questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vais vous montrer. Je vous le cachais, mon corps le cachait. Alors, ma question est la suivante. Est-ce une serviette de toilette oubliée? Est-ce un torchon ou une polaire? Je ne sais pas. Ça ne donne pas trop envie.
un peu plus de goût, prenez de la tome. Attends, Ricoco, rends-toi utile, s'il te plaît. Peux-tu me transformer en MP3 à partir de la vidéo du poulet au coca qui est dans de Juki, la célébrissime, hein, bien entendu, Estras culinaire, me faire... C'est déjà fait. Ah là là, tu es un génie. Fais-moi écouter. Vous connaissez pas, je vous conseille d'essayer. C'est un pur régal. Non, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait... Et la sauce aussi à la fin. Et augmente le son, s'il te plaît. Il faut qu'il y ait la sauce aussi à la fin, c'est goldé. Il manque la fin avec la sauce. Vous connaissez pas, je vous conseille d'essayer. C'est un pur. C'est de... Je vous conseille... Si vous connaissez pas, je vous conseille d'essayer jusqu'à la fin. Ben quoi? Je te fais une commande, tu la fais pas! Monsieur Gervais, merci beaucoup pour ton prime. Alors. Oui, alors les morceaux sont pas coupés à la même taille, mais on peut pas trop leur en demander. Je vous rappelle que là-bas, le QI Voilà, n'est si pas vous avez très des élevé, petits hein. bouts, vous pouvez les mettre sur les Et côtés. Dylan, dit Jean-Kevin, ou Jean-Kevin de Dylan Land, qu'est-ce qu'il Voilà, fait? Il met des morceaux de on partout. remet une petite tranche de bacon à Ne fait pas barbecue. exception à la règle. Ça va bien être gourmand. Ah bah oui, c'est sûr, hein. Tac, on referme. Tac. Comme ça, on garde bien cette face-là. Là, on va en profiter Il est pour content, mettre Dylan. la poitrine fumée. Ah Ça, la oui. poitrine fumée, ça va donner du goût et ça va permettre de consolider un peu votre rôti. Ah non, pas du tout. Alors, voilà, ça consoliderait si c'est si c'était pas du papier à cigarette. Là, ces tranches sont tellement fines qu'elles ne consolideront rien du tout. Elles vont un peu nourrir et encore, non, il faut qu'elles soient plus épaisses si tu veux qu'elles servent à quelque chose. Étant donné que tu l'as coupé dans le sens de la longueur, il faudrait les mettre dans le sens de la largeur. Il faudrait que tu les lardes en l'encerclant avec pour qu'elles tiennent la bête un peu, même si après tu vas le ficeler. Donc non, pas du tout. Il faudrait que, en fait, il faudrait que tu fasses deux passes. Des passes dans la longueur et des passes dans la largeur. Ça va servir comme si vous Non, mettez ça un servira à rôti rien. Ça au niveau de servira à la barre. rien, Jean-Kevin de Dylan Land. Ça lui va bien, Jean-Kevin de Dylan Land, non? Ça, voilà. Dès que vous avez fait Et un ça peu va de trois bien tranches cramer à la cuisson, hein, parce pour qu'elles sont mettre le même tellement fines que c'est truc. la première chose qui va cuire. Voilà. On va remettre du bacon ici. Il aime bien le bacon, On va refaire Jean-Kevin de ça. Dylan Land. Et on fait un petit cercle à chaque fois comme ça. Ça, on Je va suis utiliser curieux à de peu voir près la toutes gueule les de son tranches. bacon à la sortie du four, hein. D'un paquet. Ça, il va le manger avec des patates, hein. C'est le Nord, on mangeait Et avec la voilà. Et patate. moi, ce que j'ai fait, c'est que juste avant de couper mes tranches droites, j'ai fait Hop, hop, deux hop, triangles. hop, stop now, Jean-Kevin de Dylan Land. Peux-tu enlever la croûte convenablement sur ta tome de Savoie? Alors, il y a des fromages sur lesquels on mange tout, mais la tome de Savoie, la croûte, ça se mange pas. Voilà. Et apparemment, Jean-Kevin de Dylan Land, qui était au top 5 des moins bidons, vient de perdre une place car il est incapable de voir qu'il reste de la croûte sur sa tome qu'il a si bien préparée. Je suis déçu, mon Jean-Kevin. Très Comme ça, déçu. et comme ça, on va pouvoir les mettre dessus. Super. Alors ça, c'est ça. Alors ça, c'est foncièrement inutile parce qu'à la cuisson, ça va faire... Et le fromage ayant un point de cuisson beaucoup plus bas que celui de la viande, à la longue, ça va cramer, hein. Alors, pour le ficelage, on va faire un bridage. Le bridage, ça consiste, on se met comme ça, on fait le tour. Après, on fait un croisement, on passe par en dessous, on remonte et on fait un nœud ici. Ben, bien joué, Jean-Kevin de Dylan Land. Très beau bridage. Et maintenant, il faut Un faire nœud et après on des fait un demi-cercles autre autour de nœud la pour bête. s'assurer que ça tienne. C'est bon, t'as fait assez de nœuds, hein. Il va pas s'en aller, hein. Il est mort, hein. Non? Hop, on coupe, on remet les fromages, ils ont bougé un peu. Et dans l'autre sens maintenant. On sent que Jean-Kevin, Et le là, ficelage, c'est maintenant, sa on va passion, mettre une hein. ficelle tous les 2 cm à peu près. Histoire Voilà. que ça tienne et que ça fasse geler. On peut laisser un Super. petit peu de longueur sur les nœuds. Comme ça permet que si Jean-Kevin a de le rôti l'expérience à se demander s'il n'a se pas répare.
ficelé, voire séquestré certains membres de sa famille qui n'appréciaient pas trop. Ça se fait, hein, dans le Nord, ça se fait. On a, il y a des précédents, il y a des précédents. Voilà. J'avoue qu'il a une grosse passion pour le ficelage. Il a sa bobine de fil industrielle. Voilà. Et après, on en remet une. Je tiens à préciser aussi, Jean-Kévin est un monteur exceptionnel dont les choix musicaux ne sont plus à faire et sont même enviés par les meilleurs. Hein. Honnêtement, à se demander si McFly et Barbito, McFly et Carbito, Partaille et Barbie, McFly et Birpito, bon bref, les deux couillons qui servent à rien et qui font des vidéos de merde sur YouTube, qui font rire en ne faisant rien du tout, en mettant des perruques, ne devraient pas l'embaucher. Hein. Parce que là, on est neuneux et cassos. Ah oui, voilà, moi je les appelle aussi comme ça. Merci à Multidoting pour ces 6 mois d'abonnement. Comme j'ai pu le dire avant, tu avais raison, juste tout. J'ai mal à ma cuisine et je suis belge. Hey, bonsoir à tous les Belges. Vous êtes et vous serez éternellement le royaume de la bière. Personne ne peut vous égaler en ce qui concerne les bières. En particulier les bières de Trappiste. Voilà, ça c'est dit. Je vous aime les Belges. Mais restez du côté de votre frontière, parce que chez nous c'est déjà la merde. Hein. Trouvez votre endroit pour me péter les couilles. Alors, attention à la musique. Jean-Kévin de Dylan Land, choix musical. Vous n'êtes pas prêts, écoutez bien, on te sort à fond. Sur les nœuds, comme ça, ça permet que si le rôti se rétracte, eh ben que vos ficelles ne partent pas. Voilà, comme je disais, 2 cm à peu près. Et après, merci Jean-Kévin. Entre les deux. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que Jean-Kévin a conçu les musiques pour cette excellente chaîne télé qui a été ouverte par Webmediable et de la triche arrière qui devait absolument désinguer le microcosme de Twitch. J'ai bien entendu parler du live, il y a une certaine similitude. Pognon, pognon, à la poubelle, poubelle, pognon, à la poubelle, poubelle, pognon. À la poubelle, poubelle. Pas mal, hein? C'est kiff-kiff. Regardez. Regardez. Si je me mets là, au moment du ficelage, là, je mute le son, comme ça. Non? Moi, j'y ai quelque chose. Pas mal, non? Bon, et comme le dit si justement une ours sur le chat, la seule différence entre la chaîne YouTube et la créativité musicale de Jean-Kévin de Dylan Land et nos amis de Le Live, c'est que lui, au moins, il fait pas ban sa chaîne au bout de 10 minutes. Excusez-moi, pardon, je rigole, c'est Revanchard. Vous pouvez faire des... Alors, il y a quelqu'un sur le chat qui a dit « Mais putain, tu kiffes ton ficelage, je vous jure qu'il est maîtrisé. » Ce qui fait froid dans le dos quelque part. Il est maîtrisé. Je vous jure qu'il est maîtrisé.
Et attendez, il y a Ricoco qui m'a fourni un truc, ça ira très bien pour la fin du live, on va le récupérer, mesdames et messieurs. Merci à Odalrin pour ses 50 mois. Dolgarlin pour ses 50 mois d'abonnement. Bien le bonsoir, Stéphane, bonsoir à toi. Tu reviens chez la maman de Ricoco pour être. Tu reviens de chez la maman de Ricoco pour être aussi beau. Non, mais je suis beau tout le temps. Enfin, arrêtez un peu avec la mère de Ricoco. C'est drôle un moment, mais n'hésitez pas à continuer. Non, Ricoco, je défends l'ancienne virginité de ta maman de façon âpre et systématique, hein. Attention, hein. Faut pas déconner avec ça, les gars. Wow, ça suffit, hein. Stop to do this. Don't touch Ricoco même. Freeze Ricoco même. Alors attendez, si je prends cette touche-là. Voilà. Et qu'ensuite, je prends le son que m'a fait Ricoco et que je le mets là. Voilà. Et qu'ensuite, je mets ça ici. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, vous allez voir, ça vaut le coup de la boulette. Oh putain, plus grosse la photo, sans déconner. Voilà. Que là, je renomme. Un pur régal. Que là, je fais bim, paf, 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 paf. Que là, je fais tac. Attendez, vous allez voir, ça va être cool. Je fais un truc bien pour une fois. Non, on voit rien. Là, on voit bien. Là, on voit mieux. Voilà. Voilà. On le voit bien, là ? Ouais. Là, c'est parfait. Et maintenant, je monte un peu le son comme ça. Et là, c'est de bon aloi avec Jean-Kévin. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez bien. Jean-Kévin de Dylan Land. Où est-ce que je l'ai foutu, cette espèce d'imbécile ? J'ai perdu Jean-Kévin. Qu'est-ce que c'est, ça ? On s'en fout. Voilà, continuez. Alors, deux secondes. Hein, je crois que j'ai perdu mon Jean-Kev. Jean-Kev, je t'ai mis où ? J'ai perdu Jean-Kévin. Quelle angoisse ! Oh là 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 ! Jean-Kévin, j'arrive ! Il est où, mon Jean-Kev ? C'est bon, Jean-Kev, je t'ai retrouvé. Bonjour les apprentis charcutiers. Aujourd'hui, on va voir... Alors, le petit Jean-Kévin, toujours beau, toujours là. Je l'ai retrouvé grâce à Dieu. Merci à Multidoting encore. Hein. Comme j'ai pu le dire avant, tu avais raison de juger tout. Ben oui. Ouais. Alors, on en était au ficelage. Jean-Kévin est très doué pour ça. Hein. Attends, on va jusqu'au bout du ficelage. Et j'ai tout préparé pour ça. Regarde bien. C'est prêt ? T'es prêt ? T'es pas prêt ? Connaissez pas, je vous conseille d'essayer. Mais on n'entend rien, là, une voix toute fluette, cette conne. C'est quoi cette voix toute fluette, là? Je lui mets la sauce. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'essayer. C'est un pur régal. La sauce est trop bonne. ce petit finish de salope, là. Mais la sauce est trop bonne. C'est juste parfait. Merci, Coco. Et après, on en remet une entre les deux. Comme ça, quand vous couperez vos tranches, vous pourrez faire des tranches poignettes et honnêtement, tout va se casser, si vous voulez. Jean-Kévin de Dylan Land, c'est le roi des ficeleurs. Si... Il a remis la musique. Il a remis la musique, c'est le tueur. Et voilà. Votre trotti, il est fait. On va repasser. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'essayer. Comme c'est ça, un pur régal. Je vais pouvoir vous donner des temps de cuisson et comment le cuire. A tout de suite. Alors, Jean-Kévin, voilà. Jean-Kévin, il a gagné tous les concours de ficelage de la région. Et je ne serais pas étonné si nous avons un fait divers de tueur en série dans le Nord qui s'appellera Jean-Kévin le ficeleur. Ou le fisteleur. Qui ficelait les gens avant de les fister pour pas qu'ils se dilatent à la cuisson, tu vois. C'est terrible. Voilà, me voilà de retour. Alors, un petit rôti comme ça, vous comptez, comme je disais, à peu près 8 à 9 personnes, tout dépend des mangeurs.
Après, pour cuire un rôti, quand c'est de la viande blanche non. Et... Jean-Kévin a un problème avec ses mains, le font chier. Regardez bien ses mains, il sait pas quoi en faire. Faut les bouger, on m'a dit fallait les bouger pour parler. Elles le gênent, ses mains, voilà. Les mains, elles sont là que pour ficeler, pas pour parler. Elles sont chiantes, ses mains, je sais pas quoi en faire, regarde. Oh là là, mes mains, elles m'emmerdent. Oh, je les ai là. Ça si vous parlez comme ça, moi aussi. Faut vraiment faire 150, 160 degrés dans le four. Et, c'est une catastrophe. Et laisser cuire gentiment comme ça. Un rôti comme ça, faut compter à peu près 1h45, 2h de cuisson. Mais vraiment gentiment, comme ça vous allez voir votre rôti, il sera hyper fondant quand vous allez le manger. Et voilà. Mais... J'espère que la vidéo vous aura... Ah mais on le voit pas le rôti. On le voit pas cuit. Ah, blague. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'essayer. C'est un pur régal. La sauce est trop bonne. Ah, je m'en lasse pas, et la sauce est trop bonne. Non mais sans déconner, on le voit pas. Mais il pouvait le sortir à la fin quand même, non? Ouais, 8 à 9 personnes, ça dépend si vous êtes des gros mangeurs. Moi j'aurais dit de 4 à 8. C'est horrible ce que tu m'as montré, Streety. Putain, en parlant de ce truc horrible, attends. Bon, bah alors on verra pas. Pour plus, pensez à vous abonner, à partager et à mettre un pouce bleu. Moi je vous dis ciao. Oh, 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 cette fin est incroyable. Par contre, respect au ficeleur. Je n'ai jamais vu. Ah, franchement, il est beau ce rôti. Tu as envie, non? Elle est magnifique. Respect au ficeleur. Jean-Kévin de Dylan Land. Grand maître ficeleur devant l'éternel bout, la cordelette et la ficelle, nous t'adobons, maître gigoteur. Il gigote tout le monde comme personne. C'est incroyable ce qu'il a fait. Hein. Ah non, non, non. Le ficelage est parfait. Après, rien ne va. Hein. Ce n'est pas les bons ingrédients. C'est pas des produits de qualité, ça se voit. Par contre, il a vraiment ouais, il a le nœud d'or, quoi. C'est le nœud, c'est un nœud coulant, le nœud d'or. Il a raison, EF Klein. Il débute. Ah, ça va, c'est pas mal, le c'est toi. Tu es méchant. On peut faire mieux, c'est sûr, mais ça reste très propre ce qu'il a fait. Un boucher professionnel, bien sûr, qui fait largement mieux. Et puis, il le fait plus vite, surtout. Parce qu'il ne coupe pas à chaque fois la ficelle. Il passe par en dessous, il bride, hop, il avance, tac, il bride, hop, il avance, tac, il bride, hop, il avance, ainsi de suite. C'est beau, c'est beau. Bravo, bravo. J'ai l'impression qu'il est charcutier pro. S'il est charcutier pro, il est là. Ah ouais, le boucher en cuisine. Ah ouais, là, il y a un problème. Ah, bon. Bah alors, il est nul. Je suis désolé, il est très mauvais. Je suis désolé, il est très mauvais. Ah, bon, ben là, il est mauvais. Il est juste pas bon. Il est pas bon. Jean-Kévin, tu n'es point bon. Désolé, Jean. On va te zapper. Non, parce que si j'utilise les pouvoirs incroyables et incommensurables de YouTube et que je me rends, par exemple, chez le Sèvenois, je ne sais plus comment il s'appelle, là, une adorable personne. Comment il s'appelle, le boucher, là? GG, Gilbert, le Sèvenol. Le Sèvenol, excusez-moi. Il est là, Fifi, le Sèvenol. Et qu'on demande à Fifi, est-ce qu'il aurait par hasard... le Sèvenol rôti ficelé. Ficelé. Ah là, rôti ficelle.
Il l'a fait. Tiens. Alors lui, par contre, pour le coup... Ah non, c'est pas lui, ça. J'aurais bien aimé voir Fifi le faire. Alors, je sais pas s'il y a une vidéo de lui qui le fait. Ah. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Attendez, je regarde. Le premier. Il a une tête, lui, regardez. Je vous fais partager l'animal, vous voyez. Quand ton boucher, il a une tête comme ça. Quand ton boucher, il a un tablier comme ça. Tu vas manger chez lui, regarde. Regarde-moi cette tête de vainqueur. J'ai envie de taper le canon avec lui, de taper le carton. Oh, il n'est pas beau, sans déconner. Lui, tu lui dis, oh, Fifi, j'ai tiré le sanglier, tu viens m'aider? Tu le dépaisses, on fait moitié-moitié. Il te dit, oui, regarde-moi cette moustache qu'il a. Alors, je cherche s'il fait le... Oh là là, il est en train... Oh, il te débite le morceau, regarde ça. C'est chirurgical. En école, la maîtrise qu'il a, il est en train d'enlever tous les os. Alors, c'est pas là, vous voyez. Je cherche, en fait, s'il y a une de ces vidéos où il fait un filet, justement, où il fait un rôti, justement. Qu'on le voit faire un rôti, tu vois. Je cherche un rôti. S'il y a quelqu'un qui se sent de chercher, je l'en serai infiniment reconnaissant. Là, je crois qu'il prépare... Oh, putain, j'ai fait n'importe quoi, dis. Attends. Découpe du veau, 1 sur 2. Qu'est-ce qu'il fait? Les abats, le veau. Ah! Ah, merci. Ah! Ah, c'est lui. Ah, c'est mon Fifi. Il est incroyable, ce Fifi. Regardez. Il a la caméra sur la tête. Il a une caméra sur la tête, c'est mon héros, regardez-le. Il a une caméra sur la tête. Là, tu passes dessous, tu appuies avec ton doigt ici. Là, ton pouce comme ça. Voilà. Alors, j'attire votre attention sur la taille de son rôti. Quoi. C'est plus un rôti, c'est une machine. Tu viens là, et là, ta ficelle, tu la centres comme ça. Là, tu viens là, tu remontes ici, et tu viens faire 1, 2 et 3 nœuds ici. Donc ici, tu as fait ton nœud, là, tu coupes ton petit bout de ficelle, regarde, hein, tu vas le poser là sur la table. Ici, tu prends, alors tu remets déjà bien ton bâti comme il faut. Voilà, ici bâti, on est bien. Tu prends ta ficelle comme ça, avec tes pouces comme ça, ici. Tu viens, tu passes dessous. Et ici, là. Alors, il confirmera après, mais je pense qu'il prépare ce qu'on appelle, nous, Marseillais, l'entrecôte marseillaise. C'est-à-dire qu'il est en train de ficeler de la basse côte. Voilà, ce qui est un de mes morceaux préférés. C'est un morceau, il est vivant, tu vois. C'est un morceau de viande, c'est pas comme ces trucs que les mémelles veulent. Donnez-moi un truc fondant parce que j'ai les dents, vous comprenez. Ta gueule, mémé! Si tu t'étais brossé un peu les chicots, maintenant tu serais pas obligé de demander au boucher de te tonner du filet de mes couilles du steak haché, connasse! Donc, c'est une viande de mâle, tu vois, où quand tu mords dedans, elle te fait « je te réponds, je te lâche rien », c'est tellement bon. C'est tellement bon. Moi, j'ai jamais eu de problème de sensibilité dedans, je peux marcher dans ce que je veux. L'endroit le plus épais, le plus haut, tu vas passer comme ça, tu remontes là, et ici, tu fais 1, 2, 3 nœuds, tu serres un quart de tour. Est-ce qu'il coupe pas? Ah. Et 1... Le deux, fameux quart de tour. Okay. C'est très ton important. Ton nœud, avant de le couper, tu le mets bien sur ta ficelle. Et ici, tu coupes ton nœud. Petit bout de ficelle. C'est bien de la basse côte. Et ici, avec les doigts, tu vas descendre comme ça, ces rides-là. Que ça reste joli, propre. Okay. Il est fort. Donc, tu reprends ta ficelle comme ça, avec les pouces comme ça. Tu plaques bien contre ta table ou contre ton plateau. Il y a une autre technique. Tu viens ici, je suis étonné à l'endroit de le pas plus la large, voir, où tu et tu la passes comme ça. La ficelle. Donc là, tu fais ça. Tu remontes. Et ici... Ton morceau de ficelle, tu le fais un peu long, une bonne dizaine de centimètres, d'accord? 1, 2 et 3 tours. Fais ça là, bien. Tu prends ta ficelle comme ça et là, tu serres. Bon, on a compris, je vais t'expliquer, tu vas comprendre, tu es pas bête, tu vas comprendre. Donc,
Ici, avec les pouces, tu redescends comme ça. La Il a ficelle de ton masse avec bâti, amour. Vous avez vu comme tu il la a redescends. masse? Oh, il a masse comme ça. Je t'aime. Il est incroyable. Fifi, tu es incroyable. Je Descends, t'aime. qu'elle soit reste bien tout là. Qu'il est Voilà, beau. comme ça. Ici, tous ces rides y descendent. Tu reprends ta ficelle comme Ah bah. ça. T'es... Je. Alors, mesdames et messieurs, nous avons un champion sur le chat. Non! Mais non, loup solitaire! Je voulais lire le message de VGame57. Je voulais faire de la pub. VGame, il vient, il fait comme ça. Venez tester mon jeu. Il est bien. Il est bien, mon jeu. C'était quoi le nom du jeu? Mais tu fais chier, loup solitaire. Oh! Toi, tu gâches le fun, hein? Je t'invite pas en soirée, hein? Ah, mais Fifi, je le prends comme champion de duel de ficelage aussi, hein? Pousse comme ça, tu passes dessous. Tu viens ici, tu en mets une au milieu, entre les deux. Tu remontes On possible, avance un d'accord? peu. Donc, tu viens, tu fais comme je te dis, tu prends une Tu bonne viens, dizaine tu de fais comme je te centimètres, et dis. 1, 2 et 3. Là, tu serres, ok? Un quart de tour, et 1, 2 Deux et 3 nœuds, et trois d'accord? nœuds. Voilà. Je reviens à ce petit bout de ficelle. Tu vas pas me dire qu'un petit bout de ficelle comme ça, il va ruiner une boucherie. Il faut arrêter les conneries là. Hein? On est d'accord? Bon. Alors ça, je l'ai entendu toute mon enfance. Il te mettait la pression. Donc voilà. Maintenant, je t'ai donné en vidéo la réponse. Voilà. Qu'est-ce que tu dois lui répondre? D'accord? Voilà. Alors, plutôt que de t'emmerder avec des petits bouts de ficelle, il ferait mieux d'arrêter de gaspiller de l'argent dans ses grosses voitures, dans ses grosses bagues, dans ses grosses... etc. Ben, il est incroyable, il est incroyable. Je l'aime, ça pourrait être un pote. Hein. Oh. Ricoco, contacte Fifi le Sevenol pour qu'on fasse un live avec lui. Je suis sûr qu'il accepterait le bon esprit, hein. Je l'aime beaucoup. Hein. Contacte Fifi! Démerde-toi! Donne-moi la chaîne, Fifi le Sevenol. T'es marqué là, imbécile! Tu vois pas qu'il a marqué ou quoi? Tu sois con, tu le saches pas! Il est. Et les gens à la salle, il arrive, tu crois. Mais toi, tu crois que tu claques des doigts, les gens, ils arrivent comme ça, Zozette. Ah ouais, j'avais pas vu. Hein. Eh ouais, c'est normal, hein, les Bretons, les problèmes Tu du vent. rates. T'as compris? Ici, t'as un morceau Non, on continue mort, d'avancer un parce que quart vous de avez compris. tour, Ouais, 1, c'est bien de la 2 basse et côte. Hein. 3 nœuds. Voilà, tu Vous savez à coupes quoi je ton vois que morceau c'est de de la ficelle. basse côte? Vous savez à quoi je vois? J'ai pas mangé, je vois la bouche. J'en veux tante. J'ai un supermarché. Oh, c'est terrible. Bon, c'est pas un grand moment culinaire, mais je pourrais faire une folie. Je pourrais. J'ai un truc à ouvrir 7 jours sur 7. Aller chercher une côte de bœuf, revenir et faire un barbecue en pleine nuit. J'en suis capable, ne me provoquez pas. Je peux le faire. Voilà. Ça fait partie des choses que je suis capable de faire. Non, mais pas ce Ficelle soir. ici. Mais non, il vaut mieux que j'ai préparé un barbecue apéro time samedi soir. Donc samedi soir, on fera le bon barbecue. C'est simple, une fois que tu as compris le cours, le tout c'est ça. Ta ficelle comme ça, tes pouces comme ça, tu passes dessous, Mais tu tu vois là, ce centres. qui peut être sympa, c'est de lui dire, Fifi, coupe-moi le par là. Tu vois, et t'as ton gros rôti. Tu remontes là en tenant tendu. Ah, il fait bien, Ici, il le 1, fait 2, bien. 3. Tu fais ça pour avoir une ficelle assez longue. Là, tu serres à mort. Un quart de tour. 1, 2 et 3. Voilà. Et là, ton nœud il tient. Tu descends ici pour que ce soit bien. Tu reprends ta ficelle. Et là, tu vas faire une... Honnêtement, quand tu le vois faire, une fois qu'il a fini, à moins que tu sois une quiche avec tes mains, obligatoirement, tu sais le faire. Hein. Une ficelle intermédiaire entre chaque. Ok? 1, 1, 2, 2 et 3. 3, tu recentres, tu Tu tires, tu serres serres, un quart de un quart de tour. tour, 1, 1, 2, 2 3, et 3. et Tu tu coupes. coupes ton bout de ficelle ici. Il le fait bien. Tu descends tes rides. Tu restes en bas. Qu'est-ce Ici, tu qu'il est viens beau. bien Regardez comme serrer il est ici beau. le final. Voilà. Ah là, le Là, final. ton braisé, il est terminé. Oh là 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 là, Tu c'est vois? incroyable, Il je est vais le joli, manger. il Oh, est il est bien magnifique. ficelé. Il Ok? est magnifique, je le mange. Coupe-moi Là la moitié. maintenant, Prends la tes moitié. ficelles là, tu Ouais. prends, tu fais ça avec ta main, tu vois? Tu roules comme ça sur la table et qu'est-ce qui se passe? Regarde. Hop, ça fait une boule. Et ça, donc, t'as plus qu'à le balancer à la poubelle et c'est fini. Mais t'as tout ramassé.
cassé. Allez, allez les trous du cul qui font des commentaires de merde et qui tiennent même pas de boucherie. Allez, à plus. Oh, c'est un génie. Les cocos contactent Fifi le Sevenol. Il faut que je fasse un truc avec lui. Il est tueur. Une fois. Ok. Voilà. Un bon donc là, ton brisé, il est terminé. Toi. Il est bien ficelé. Ok. Voilà. Les copains, les amis, YouTube, tout le monde. T'as vu? Le brisé, il est terminé. Il est bien ficelé. Il est le ficelage du brisé, il est fini. Tout est bien fait. Donc, si la vidéo, elle t'a pris, elle t'a plu. Si la vidéo, elle t'a pris. Si la vidéo, elle t'a plu. Incroyable. Attends, je vais poser ma caméra. Si la vidéo caméra elle t'a sur plu, le front. Tu mets un pouce si tu veux commenter. Tu commentes. Tu mets deux pouces. Et j'espère que ça te servira. Et moi, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ok? Allez, ciao sent, les amis, ciao YouTube, le ciao tout le monde. Et n'oubliez pas, allez, gardez la pêche. Ok? Il respire le brave homme. Il respire le brave homme. Il respire le brave homme. Tu as envie de lui dire, ça fait un truc ou quoi? Incroyable, incroyable. Bon, eh bien écoutez, c'était une belle vidéoscopie qui est terminée sur un ton incroyable. Mais ce n'est pas fini. Je vous demande de me laisser, je vous donne l'autorisation, vous allez valider ou pas. Je vais vous donner la Rogo clé CD, déjà il y a 500 euros de mon achat Amazon à gagner. Et je vous demande, je vous exhorte l'autorisation de me laisser aller faire un pipi avant la suite. On va aller sur GTA, un petit pissou. Voilà, je reviens dans quelques instants. Puis-je partir pissouiller ?